Bonjour à tous, c'est Doc McCoy, on se retrouve pour le test de The Ninja Warriors, sorti sur Super Nintendo en 1994, développé par Natsume et édité par Taito. C'est un remake d'un jeu d'arcade sorti en 1987 qui s'appelait aussi The Ninja Warriors, mais qui a de prime abord n'a pas grand chose à voir en fait, hein, surtout au niveau graphique, ça a plus grand chose à voir forcément. Le jeu s'appelle également The Ninja Warriors Again au Japon. L'histoire que vous avez vu défiler, que vous revoyez défiler devant vous, c'est en 2035, en fait, les États-Unis sont sous le joug du régime militaire du tyran Banglar, qu'on voit à l'écran, l'espèce de Mussolini bon, un peu déformé là. En fait, c'est lui qui dirige le pays d'une main de fer. Il a complètement lavé le cerveau des populations qui n'osent plus en fait penser par eux-mêmes et qui n'osent plus se révolter. Et seule une petite poche de résistance monte en fait un projet d'assassinat du tyran. Ils essayent de lutter en fait, et avant qu'ils aient pu lancer l'opération, ils sont attaqués et violemment en fait attaqués par l'armée de Banglar. Et donc ils décident de lancer en fait leur robot malgré qu'il n'ait pas été finalisé. Ils sont toujours en phase de test, mais ils les lancent quand même parce que c'est leur seul espoir d'en finir avec le tyran. Bien entendu, vous vous doutez bien que ce sont nos Ninja Warriors et c'est nous qui allons jouer. On a le choix entre normal et hard, on va laisser en normal et je vais vous montrer un petit peu les trois personnages. Donc on a le choix entre Kunoichi qui est une femme ninja. Kunoichi ça veut dire femme ninja. Ninja, bon bah vous savez ce que c'est. Donc c'est trois robots, hein. Il y en a un très gros, c'est ninja. Kunoichi un petit peu de taille un peu plus humaine. Et Kamaitachi. Kamaitachi, je sais pas si je prononce bien. C'est une. Le Kamaitachi en fait c'est une. Créature surnaturelle issue de la mythologie japonaise. Voilà, c'est tout. Hein. Kamaitachi, c'est coupé par la tornade en fait. C'est une histoire de blessure qui ne saigne plus. Enfin, un truc comme ça. C'est une créature assez connue dans la mythologie japonaise. Donc en gros, hein, vous avez le personnage lent mais puissant, le personnage rapide mais pas puissant, et au milieu l'équilibre entre les deux. Ben, on va commencer par la fille, on va commencer par le ninja équilibré. Et quand je mourrai ou quand je pense que quand je vais mourir, en fait, je changerai de personnage. Je prendrai ninja et après, je reprendrai peut-être une partie au début avec Kamaitachi. Donc les commandes de base, on a la touche Y qui sert à frapper, la touche B qui sert à sauter et on a la touche X qui sert à déclencher une attaque spéciale que je montrerai plus tard. Et après, on a pas mal d'attaques évidemment spéciales. Par exemple, je peux. Alors, ça marche pas sur les petits ennemis, donc je le montrerai après. Mais on peut, en appuyant plein de fois sur Y, on peut faire une attaque, un coup de sabre. Mais ça marche que si l'ennemi en fait encaisse. S'il encaisse pas, voilà. Par exemple, lui, il va encaisser normalement. Eh merde. Voilà, vous voyez, c'est une séquence de coups de coups de dague, de coups de kunai qui se conclut par un coup de sabre. Donc là, c'est vraiment les armes traditionnelles du ninja. Là, je lui ai fait une chope. Les chopes, c'est simple, on s'approche et après on fait soit Y et bas, soit Y et haut, soit Y et avant pour changer de chope. Là, par exemple, hop, là je vais faire ça et là je vais faire ça. Hop, voilà, il y a plusieurs chopes comme ça. On peut faire aussi des attaques sautées évidemment. On peut faire une attaque comme ça, une attaque sautée. Hop, elle est moyennement rapide en fait et moyennement puissante. Elle est vraiment entre les deux. On peut choper en fait, vous avez vu tout à l'heure, j'ai chopé les motos, je vous l'ai même pas dit. Là, on a les enfants de Wolverine. On peut choper en fait des objets, donc des motos, des barils, des caisses et tout, qu'on peut envoyer valser sur les ennemis pour leur faire du dégât. Et dans certaines caisses, on aura des bonus. On aura des bonus comme. On aura des bonus. On aura un bonus, le bonus E. Et le bonus E en fait, c'est. Ça nous remet en fait l'équivalent de la moitié de la barre de vie. Ça remet pas la barre de vie jusqu'à la moitié, ça met une moitié de barre de vie en plus de ce qu'on a à ce moment-là. Alors là, ici, c'est un passage un peu casse-couille. Hop. Un peu casse-couille parce qu'on se fait mitrailler de l'arrière-plan par des roquettes. Ah merde. Lui, on va le choper. Vous voyez, on peut le choper, l'envoyer vers l'avant. Attention, faut vraiment tout le temps rester en mouvement ici. Voilà, hop. Merde!
Alors les shots, alors je vous ai pas montré l'attaque spéciale, voilà, je viens de vous la montrer. C'est une smart bomb tout simplement, ça fait tout péter et ça élimine, enfin ça élimine ou ça met au sol les ennemis à l'écran. Donc ça permet aussi d'entamer pas mal les boss. Là on va attaquer le premier boss. Qui normalement résiste assez bien parce qu'il a une armure. Voilà. Et là, le truc des shops, c'est qu'on peut choper les boss aussi. Ça, c'est excellent. En fait, les boss sont gros en général. Lui, on va lui faire une hop l'attaque spéciale qui permet hop, de l'entamer pas mal. Et souvent, il y a les boss ont des sous-fifres qui vont. Eux, c'est chiant parce qu'ils tirent. Ils tirent ou ils lancent des grenades. C'est vraiment des soldats. On a l'impression que l'armée de Banglar, c'est que des mecs avec des couteaux, mais il y a quelques mecs avec des armes quand même. Mais il doit pas avoir beaucoup de munitions parce qu'il tire pas souvent. Voilà, j'ai battu le premier boss assez facilement avec ce personnage, sachant qu'avec d'autres personnages, avec Kamae Taishi, hein, c'est plus compliqué. Donc l'attaque spéciale, je vous ai pas expliqué, vous avez vu que sous ma barre de vie, il y a une barre d'énergie, c'est ce qui conditionne l'attaque spéciale. On ne peut déclencher l'attaque spéciale ou certains combos qui utilisent de la barre d'énergie que quand elle est pleine. Vous voyez là, je dois appuyer sur X, il se passe rien. Parce que j'ai pas ma barre chargée à fond en fait. Hop, là on va il y a des espèces de mecs masqués qui font penser à des guerriers. Alors voyez là, ce qui est con, c'est que j'ai un bonus qui traîne, mais je n'en ai pas besoin. C'est pas grave, je vais le prendre quand même. Hein. C'est le seul et unique bonus du jeu, ça. Il n'y a pas d'autres bonus, il n'y a pas de one-up par exemple, parce que tout simplement on n'a pas de vie. On meurt, c'est game over. Par contre, on a des continues illimitées. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les continues, ils reprennent à la sous-section en cours. Au sous-niveau en cours, en fait, à la sous-partie en cours. Et du coup, ça permet d'aller assez loin, en fait. C'est pas trop frustrant. Merde. Faut pas hésiter d'user et abuser des shops, surtout avec les personnages qui en ont, parce que tous les personnages n'ont pas de shop. Parce que c'est... hop. C'est assez cheaté les shops, surtout que ça permet en fait d'envoyer, certaines shops permettent d'envoyer, alors il y a personne là, il y a encore, ah, il est resté dans le coin. Les shops permettent d'envoyer les ennemis, alors lui il est assez pénible, le mec là avec le holster là, il est assez pénible, avec les bretelles. Hop. Chaque ennemi a vraiment sa rapidité propre. Il y a des ennemis qui sont assez pénibles. Les mecs au couteau, ils ont l'air chiants. Ils ont pas l'air chiants comme ça. Ce qui est chiant, c'est quand ils se baissent. Parce que parfois, on les voit pas se baisser. Faut savoir que dans ce jeu, quand vous donnez des coups, et que vous essayez de vous baisser, ça marche pas. Faut se baisser et donner des coups. Par exemple, là, je donne des coups en l'air. Si je me baisse, il faut que j'arrête de donner des coups un bref instant et que je me baisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, on se fera bêtement avoir par un mec au couteau qui se baisse et qui donne un coup de couteau au niveau de la ceinture. Alors, je vous ai pas montré... Attendez, je vous ai pas montré le flip kick. C'est pas mal, ça. Le flip kick, faut que j'arrive à le refaire. Voilà, c'est ça. Flip kick, avec elle, on donne un coup de pied et on repart en arrière. Ce qu'il y a de bien, c'est quand on se fait encercler, on peut enchaîner les flip kicks. Ça, c'est pas mal. C'est un coup qui est sympa, ça. Alors vous voyez ce robot là, on peut pas l'attaquer de face, il faut aller dans son dos. Parce qu'il met un certain temps, ou alors il faut lui balancer des barils, des bouteilles de gaz. Il met un certain temps à se retourner. Alors que les bouteilles de gaz, les machins comme ça ne nous font pas de dégâts. Hein. Il met un certain temps à se retourner lui, donc il faut l'avoir dans le dos. Il y en aura plusieurs des robots comme ça. Là on va pouvoir choper l'ordinateur des années 70 là. Hop. Ah putain. Hop, vous voyez, on enchaîne les coups. Par le coup d'épée, ça marche aussi quand on est baissé. Ça, c'est pas mal. J'ai voulu lui faire une chope à lui, mais j'ai pas réussi. Vous voyez, là, je me sers d'un ennemi pour en blesser un autre. Ça, c'est excellent aussi. Flip kick. J'aime beaucoup le flip kick. Ça me fait un peu penser à Camille, en fait. Vous avez vu, là, j'ai donné un coup à lui. Hop. Et j'arrive à me retourner pour taper l'autre ennemi. Quand on est encerclé, c'est vachement pratique. Parce que souvent dans les beat'em all, on a tendance à regrouper les ennemis face à nous pour les tuer tous en même temps, ce qui est une bonne technique. Oh putain, je me suis fait niquer par Wolverine Junior là. Faut que je fasse gaffe, ma barre de vie elle est bien entamée déjà. Vous me direz, si je meurs, je reprendrai la sous-section en cours. Et ça me permettra de vous montrer un autre personnage.
Vous voyez le principe, c'est assez, assez linéaire comme jeu, c'est un beat'em all évidemment, c'est un beat'em all sur un seul plan, vous avez vu qu'on peut pas aller en arrière-plan ou en avant-plan, il n'y a pas de perspective, c'est un beat'em all en vue de plateforme j'ai envie de dire, un petit peu à la Shinobi si on veut. Hop, ici c'est pas mal ça, les hélices, bien sûr ça, ça blesse les ennemis hein. Hop, merde. Ah bah trop tard. Voilà, j'ai plus qu'à attendre. J'ai plus qu'à attendre comme un con que le... Je sais même pas si on peut... Je pense pas qu'on puisse buter le... Vite. Voilà. Je pense pas qu'on puisse casser le moteur, non. J'ai jamais essayé. Mais effectivement, on peut pas, sinon c'est trop bête. Merde, il y a encore un qui m'a eu parce qu'il s'est baissé. Hop, vous voyez, dans ces sections-là, les ennemis repopent à l'infini. Les ennemis de base repopent à l'infini. Et dès qu'on arrive au bout du décor, merde, bah, je suis mort. Donc, vous voyez que c'est là qu'on voit que c'est un robot, hein. Bon, on le savait, mais bon. En voyant l'intro, on le savait, mais bon. Ce qui fait quand même rire avec les robots femmes, c'est qu'ils leur mettent toujours vraiment des attributs féminins. Ça sert à rien, c'est un robot, mais bon. On va jouer ninja. On va continuer le niveau où on était en jouant ninja. Et quand je mourrai avec ninja, un peu plus loin, j'espère... je vous montrerai Kama et Tachi. Hop. Alors lui, ninja, sa première attaque, c'est la patate de forain. Vous voyez, les coups de poing qu'il donne, c'est impressionnant. Il est très lent. Il peut pas vraiment sauter, en fait. Vous voyez, il dash. Enfin, non, il peut dasher. On peut dasher comme ça, avant et saut. Mais il saute pas vraiment, vous voyez. Parce qu'il est très lourd. Il fait 700 kilos, donc voilà quoi. Vous voyez, l'attaque de Nunchaku, c'est son coup. Quand on spamme la touche de la touche Y sur les ennemis, ça fait ça. Hein. Bien sûr, il a d'autres attaques, hein, c'est pas juste un bourrin. Alors, on peut faire le dashing kick. On peut dasher. Alors, regardez, hop, on peut dasher et hop, dashing kick. Ça, c'est excellent. Bim. Ah, je vous ai pas dit, on peut parer. Vous n'avez pas vu ça. Si on reste appuyé sur la touche de coup, bien sûr là ça n'a pas marché puisque le mec il m'a tiré dans le dos, espèce d'enfoiré. Hop, on peut se protéger. Chose que je ne fais jamais. A tort, parce que c'est quand même bien pratique. Hein. Vous voyez, il est super lent par rapport à Kunoichi. Hein. Mais par contre, c'est le plus robuste. Il perd vraiment très très peu d'énergie quand il se fait toucher. Et il a une force absolument démente. Mais il est lent, voilà, il est lent. Et par contre, même au niveau de ses chops, il a des chops. Ouais, il jette les ennemis au loin. On va faire des petites prises à la Zangief. Ah, attendez, hop. J'ai pas réussi. Là, il y a des mecs qui s'amènent par derrière, dans le décor, je les shoot. Et ces cons-là, ils se jettent sur les hélices, bien évidemment. Là, j'ai chopé un mec, je m'en étais même pas rendu compte. Hop, alors attendez, hop, on peut faire ça. On peut faire ça, voilà, ça c'est le coup à la Zangief. Le robot, toi tu dégages. Je vais pouvoir me recharger. Vous voyez, je peux choper même le robot, donc c'est ça qui est bien avec eux. Hop, le robot, il a plus de tête, on va arriver au boss. On va arriver au boss de ce niveau. Attention. Bam. Voilà, c'est bon, on va arriver au boss de ce niveau. Donc un boss qui est assez impressionnant, c'est un samouraï avec une tronçonneuse. Et hop, un petit dashing kick. Tiens, dégage. On va le choper. Alors j'ai même pas chopé, je lui ai fait le... Hop, ah, j'aurais bien aimé le choper. Alors sachant que le dash tout seul, ça fait un coup d'épaule si on le... Alors je vais le calmer lui parce qu'il m'énerve. Le problème c'est que pour... hop, avec des boss comme ça assez rapides, il faut quand même bien faire gaffe. Hein. Voilà, on peut aussi faire ça. Ah, il fait chier, lui. Alors là, je vais faire gaffe que je vais me faire buter. Et là, ça aussi, c'est pas mal comme coup, ça. Ah, putain, il saoule. Ah, attendez, hein. Hop, je me concentre. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, il est assez lent, mais par contre, qu'est-ce qu'il est puissant? Qu'est-ce qu'il est costaud? Qu'est-ce qu'il tape fort?
Donc c'est un des personnages les plus, entre guillemets, faciles à jouer du jeu. Mais la fille ninja, elle est pas mal aussi, hein. Là, on est au niveau 3. Oh putain, attention, lui il m'énerve. Lui il m'énerve. Et là j'ai fait un petit coup d'épaule, bon c'est pas terrible par rapport au coup de genou. Ça c'est bien ça. Pas par rapport au coup de genou mais par rapport au dashing kick c'est pas terrible quoi. Hop, alors lui il est chiant lui. Lui il est chiant, il crache du feu et tout. Voilà. Putain, il est chiant. Ah putain, attendez, hop. Voilà, ça c'est pas mal comme coup avec lui. Voilà, j'espère que je l'ai buté. Non, je l'ai pas encore buté. Voilà, c'est bon. Lui, il est très très chiant. J'adore les coups de poing qu'il met, lui. C'est quelque chose. Voilà, ça c'est pas mal. C'est qu'on envoie, on prend un mec et on l'envoie comme ça au tapis sur les autres. Ça, c'est excellent. Je vais vous parler un petit peu de la technique de ce jeu. Le jeu, il est beau. Le jeu est très beau. Il y a de beaux arrière-plans, il y a de bonnes animations. C'est assez fluide aussi. C'est assez fluide, c'est propre. Bon, il n'y a pas des masses, il se passe pas grand-chose en arrière-plan. Mais c'est beau. C'est assez bien réalisé. Et surtout, on pourrait croire que sur Super NES, ben, ça rame. Non. Alors que si vous y jouez en PAL, le jeu est quand même assez lent en PAL. Surtout avec ce perso. Mais quand on y joue comme ça sur une ROM US, il n'y a pas de problème. Merde! Attendez, je vais essayer de m'en sortir là, mais voilà, c'est pas évident. Au moins, je passe une sous-section, ça me permettra de reprendre là si je meurs. Normalement, je reprends. Si je meurs, je reprends là. Alors là, il y a un connard. Ah bah, il m'a tué. Voilà, on explose. Et on va reprendre là. Donc bah, du coup, non, je vais garder Ninja encore un peu. Et je reprendrai Kamaitachi après. Vous avez vu le poids qu'il fait, hein. Il fait 700 kilos à peu près. Alors que les autres, ils font 100-120 kilos, quoi. Si j'ai bien regardé. Vous avez vu qu'on a un timer. Alors, à quoi il sert le timer? Parce que vous avez vu, on a 10 000... alors, je sais pas. Attendez, je dis pas de conneries. Les secondes, c'est... Non, on a 900... Bah, on a 1000 secondes, quoi, on va dire. À peu de choses près. Donc, c'est quand même très très confortable pour faire les niveaux. Ça sert surtout à ce qu'on reste pas à attendre que la barre d'énergie charge. Pour pouvoir faire le coup spécial à l'infini, vous voyez. Il y a un coup que je vous ai pas montré avec lui. C'est ça. Attendez. Voilà. Non, hop. Non, j'arrive pas à le faire. C'est la flamme tournoyante, c'est assez impressionnant aussi ça. Voilà, on a pu. Bon, tant pis. Voilà, une nouvelle sous-section, comme ça. On sera. Bah, ça, c'est la sous-section juste avant le boss. Donc, c'est très bien. Ça, c'est ce coup-là que j'aime bien. Ouais, ce coup-là est très, très puissant. Pas une très grande portée, mais il est très, très, très puissant. Vous voyez, ça se fait en faisant bas plus B. Mais là, bah, bien sûr, faut bien calculer son coup, quoi. Toi, tu dégages. Donc, d'un point de vue technique, je vous ai dit, c'est un jeu qui est assez beau. Après, au niveau des musiques, c'est un jeu qui a des super musiques. On sent bien que c'est Natsume qui est derrière, parce que les sonorités ressemblent quand même pas mal à un autre hit de Natsume qui s'appelle White Guns, évidemment, que je vous ai déjà testé, qui est un des meilleurs jeux qu'ils ont fait sur la Super NES, si ce n'est le meilleur. Et celui-là est excellent également. Lui, je l'enchaîne parce qu'il me casse les couilles, hein. Je vous le dis. Oh, les grosses patates qu'il met, c'est quelque chose. Bon, c'est... Ah, tiens, voilà Jet Li. Voilà les Yakuza qui arrivent. Les mecs en costard. Eux, ils font pas mal de prises. Mais bon, ils sont pas très durs. Ils sont pas très chiants. Surtout, ils sont pas très chiants parce qu'on peut faire des chops. Vous allez voir, après, avec Kamaitachi, c'est une autre paire de manches. Ouais, il faudrait que j'arrête de faire la même chop tout le temps. Voilà, celle-là, elle est pas mal aussi. Là, je crois que je vais avoir de l'énergie. Ah merde, faut que je fasse gaffe.
Eh, dégage. Merde, quel con. J'ai envoyé le truc hors du décor, donc du coup j'ai pas ma recharge d'énergie. Ça c'est con parce que il y a un boss juste après. Et puis pas un facile encore. Dégage-toi, bah, il va sûrement me tuer de toute façon. De toute façon, si c'est le cas, je reprendrai au début du jeu. Là j'aurais pu déclencher mon attaque spéciale. Je vais faire ça, je vais pas faire continue, je vais reprendre au début du jeu avec Kamaitachi. J'étais en train de vous parler des musiques. Oui, les musiques sont très proches de ce que Natsume ont pu faire avec Wild Guns. Très sympathiques du coup. Au passage, si vous vous demandez la différence entre le mode hard et le mode normal, c'est juste qu'il y a plus d'ennemis en mode hard. Ils sont plus rapides, plus résistants, et c'est pareil pour les boss. Voilà. Donc on a des super musiques, des bruitages convaincants. Globalement, une très bonne ambiance sonore. Donc voilà, Kamaitachi, c'est ça. C'est un robot avec des lames soudées sur ses bras. Et vous voyez qu'il va super vite, lui. Vous voyez qu'il va beaucoup plus vite que Ninja et un peu plus vite que Kunoichi. Hop. Hop, avec lui, voilà. Il a un flip kick aussi. C'est une attaque au corps à corps. Faut savoir que lui, il a pas de chop. Il peut faire des attaques au corps à corps, mais il a pas de chop. Hop, donc ça c'est un petit peu désavantageant pour lui. Sachant que lui, je vous dis, l'avantage de ce personnage, c'est les attaques rapides. Vous voyez, quand on fait hop, quand on fait ça comme ça, quand on fait des attaques comme ça, sur les ennemis qui résistent, on a une espèce, il fait une espèce de tourbillon avec ses lames. C'est assez puissant. Je vais vous montrer sur lui là. Ah non, j'ai fait une chope, merde. Ah, c'est chiant quand ils se baissent, ces connards là. Ah, eux aussi ils se baissent maintenant. Bon, je vous montrerai sur des ennemis un peu plus gros. Ah, mais arrête de te baisser, merde. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez, hop. Après, quand on se baisse... Ah, attendez, hop, je vais juste choper. Quand on se baisse et qu'on fait la même chose, ça fait une espèce de chaîne, en fait, à la... C'est comme si il étendait son bras, en fait. Enfin, je vais essayer de vous le montrer quand il se... Voilà, ding, comme ça, vous avez vu. Il fait... Il étend son bras un peu comme Dalsim, sauf que lui c'est un robot. Hop, un petit flip kick, ça fait plaisir. C'est pas tout à fait le même flip kick parce qu'il se fait pas de la même façon. Il se fait au corps à corps avec bas plus Y. Donc on peut pas l'enchaîner à l'infini quoi. Il est parti Wolverine Junior là? Ouais, c'est bon. Alors on va arriver au passage casse-couille avec la ville en arrière-plan. Hop. Il peut faire ça aussi, lui. Ça, c'est le coup de pied. Si on fait B, B plus Y. Merde. Ah, putain. Je fasse gaffe, quand même. Quelques légers ralentissements de temps en temps, mais c'est assez rare. Ah! Pardon. Pardon de crier, de m'énerver, mais c'est chiant. Évidemment, le truc me tombe dessus au mauvais moment. Donc le jeu, au niveau de sa difficulté, bah vous avez vu, c'est pas un jeu facile, on crève quand même assez facilement. Il devient vraiment difficile à partir de la moitié du jeu, donc le niveau 4, clairement. Hein, bon, vous avez vu, je suis mort au niveau 3, mais c'est parce que je vous le teste. Mais disons que ça commence vraiment à se corser à partir des niveaux 4, 5. Donc soit à la moitié du jeu, puisque le jeu comporte 8 stages. Stages que vous avez vu qui sont quand même assez courts. Hop, je lui balance ça, la sauce, comme ça c'est bon. Un truc que vous avez pas vu, parce que pour les deux premiers boss c'est pas vrai. Mais les boss ont une barre de vie qui ne... comment dire. Au début elle s'entame pas. Un petit peu comme dans... je vous avais testé Shadow of the Ninja. Un autre jeu de ninja d'ailleurs. Sur NES, c'était pareil, il y avait certains boss qui avaient une barre de vie qui s'entamait pas tout de suite en fait. En fait c'est des barres de vie plus longues que ce qui est affiché, si vous préférez. Voilà, là j'ai réussi à l'avoir. Même ce boss là avec lui il est chiant. Donc par exemple le troisième boss, quand on le tape et quand on lui donne des coups au début, il se passe rien, la barre de vie elle baisse pas. Donc on se dit merde, il a une armure, qu'est-ce qui se passe, ça marche pas. Pourtant il tombe au sol et tout. Et en fait non, c'est juste la barre de vie qui est plus grande que ce qui est affiché. Donc le jeu est résolument plus difficile avec Kamaitachi qu'avec les autres, ça c'est mon avis. Parce que c'est un personnage qui est quand même plus faible. Et qui est plus rapide mais plus faible.
qui demande peut-être un petit peu plus de maîtrise aussi, je sais pas. Mais et surtout le problème c'est que le jeu tire quand même beaucoup de... Il y a beaucoup d'avantages à utiliser les chops, chose que on peut pas faire avec Kamaitachi. Lui il a des attaques au corps à corps. C'est tout quoi. Ah mais dégage toi. Ouais ça c'était une attaque au corps à corps par exemple. Hop. Sachant que ce que vous avez vu là, c'est une attaque qui consomme de la barre de vie. Il y a quelques attaques comme ça, je vous l'avais dit, qui consomment un petit peu de barre, non pas de la barre de vie, mais un petit peu de la barre d'énergie. Et donc qu'on ne peut utiliser que lorsqu'elle est pleine. Ou alors on l'utilise en smart bomb. Eux ils sont très 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 pénibles les... Oui, ça c'est ce qui se rapproche le plus d'une shop avec ce personnage. Mais c'est pas des chops parce que techniquement on ne chope pas l'ennemi. Vous voyez ces ennemis là avec le holster que je vous disais qu'ils étaient chiants. Avec Kamaitachi ils passent tout seuls parce qu'ils sont beaucoup plus lents que lui. Alors qu'avec Ninja ils sont beaucoup plus rapides, du coup ça passe moins bien. Et pareil avec Kunoichi. Hop, voilà. Donc c'est un jeu qui est difficile, je vous disais, mais qui est quand même finissable sans trop de frustration, parce que quand on meurt, on reprend la sous-section en cours et on a les continues illimitées. Vous allez dire c'est cheaté, c'est free play, etc. Mais bon, c'est quand même pas mal, parce qu'il y a certains jeux, non seulement les jeux sont durs, mais en plus, soit vous avez un nombre de continues limité, soit même si vous avez les continues illimitées, vous reprenez des kilomètres là où vous étiez, quoi. Ah, il est baissé, mais je le vois pas, lui. Ah, vas-y, dégage. Ah bon, ok, d'accord. Vous voulez jouer comme ça, c'est bon. Le but, c'est d'arriver à la sous-section en cours. Voilà, lui, faut, je vous l'ai dit, il faut aller dans son dos. Le but, c'est d'arriver à la sous-section en cours pour pouvoir reprendre... Voilà. Vous voyez, ces coups au corps à corps, c'est ce qui se rapproche le plus d'une chope. Merde. C'est pas une chope dans le sens où on chope pas l'ennemi pour le envoyer après. Dans ce jeu, quand vous vous approchez d'un ennemi, vous le chopez automatiquement. Avec Ninja et avec Kunoichi. Avec lui, ça marche pas. Mais il peut faire des coups au corps à corps, voilà, tout simplement. Donc je vous ai dit, les défauts du jeu, c'est quoi? C'est, bon, d'abord, je vous ai dit, sa durée de vie, elle est un petit peu chiche, parce que vous avez vu, les niveaux sont quand même vachement courts. Et le fait qu'on reprenne au sous-niveau en cours, bah, ça fait que du coup... La durée de vie elle est quand même assez faible puisque une fois qu'on le finit, une fois qu'on a maîtrisé le jeu, qu'on arrive à le finir, bah, on arrive rapidement à la fin quoi. Après c'est qu'une question de skill. La durée de vie n'est pas artificiellement augmentée par le fait que qu'on reprenne au début des niveaux puisqu'on reprend au début des sous-niveaux. C'est bon là? Non, il y a encore Wolverine. Voilà, c'est bon. Quand on entend crier, c'est qu'ils sont morts. Hop. Vous voyez là, rien que le temps de se tête, je vous ai déjà eu le temps de vous faire deux fois le début du jeu. Donc c'est que le jeu est quand même assez court. Son autre défaut, et pas des moindres, c'est que c'est un jeu désespérément et uniquement solo. On peut pas jouer à deux. Ça s'explique de plusieurs façons. Là, on est sur Super NES. Donc s'il y avait eu deux joueurs, ça aurait ramé. Là ça rame pas, le jeu a très très peu ralentissement. Mais ils sont vraiment très très rares. Mais s'il y en avait eu, vu la taille des, s'il y avait eu un deuxième perso, vu la taille des sprites, ça aurait ramé. La deuxième explication, c'est toujours parce que comme les persos sont grands, ça aurait été un peu le bordel, ça aurait été un peu brouillon, vous voyez. Parce que là, mine de rien, vous voyez, le haut de l'écran, il y a une barre noire, donc on n'est pas sur du plein écran. Et la taille des sprites fait que quand même, il y aurait eu beaucoup de choses à l'écran, ça aurait été un petit peu difficilement compréhensible. Et ça, c'est l'excuse que Natsume ou Taito va vous donner pour justifier le fait qu'ils aient pas mis deux joueurs. En réalité, c'est probablement un problème de carence technique de la Super NES qui aurait ramé à afficher deux joueurs. Et c'est d'autant plus dommage que ça aurait été vraiment sympa à deux joueurs, surtout si on avait pu faire des attaques combinées. Vous voyez, un flip kick sur l'un, ça fait on aurait pu se choper l'un l'autre, vous voyez, des trucs comme ça. Alors vite, il faut que je chope ça. Voilà. Alors, rectification, il n'y a pas un, mais deux bonus, je viens de me rendre compte. Il y a un gros et un petit bonus d'énergie. Là, j'ai chopé le gros. Mais ils apparaissent, c'est pas fixe.
Souvent, c'est toujours le petit qui apparaît, mais là, c'est un gros. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être par rapport au score, j'en sais rien. Ça, j'ai pas trouvé l'info, j'avoue. J'avoue, j'ai pas trouvé l'info. Donc lui, il va s'enchaîner normalement assez, assez bien. Avec, avec ce personnage-là, parce qu'il est rapide. Ah merde! Attendez, on va l'entamer déjà. Ça, c'est bien ça, le coup de pied, c'est vachement bien. Mais un peu. Bizarrement, pour un perso rapide, il est un petit peu lent à se mettre en place, le coup de pied. Lui, il faut pas hésiter à utiliser les attaques sautées, flip kick et compagnie sur. Avec Kamaitachi et Kunoichi, c'est pareil. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Et par contre, vu qu'on peut pas utiliser les chops, faut pas trop s'approcher. Et les, vous avez vu que les boss et certains ennemis se protègent. Hein. Et par contre, ce qui peut être chiant avec les boss, c'est les sbires en fait. Sachant qu'il faut essayer de se concentrer en général sur les boss et pas sur les sbires parce que sinon on n'en finit pas quoi. Ah bah oui, je me suis mangé une petite grenade. Alors je sais pas si j'avais eu presque plus de vie, si j'étais mort ou pas, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que j'aurais recommencé le niveau ou pas? Je sais pas. Parfois ça arrive dans certains jeux, ça. Vous mourrez juste après le boss, mais le jeu considère que vous avez pas gagné. C'est les fameux... c'est dans les jeux Konami qu'il y a ça, dans les Castlevania, des trucs comme ça. Faut savoir que ce Ninja Warriors, ça fait partie des jeux, probablement, c'est un petit peu comme des jeux comme Agane sur la Super NES. C'est des jeux qui sont vendus atrocement cher, qui sont très recherchés par les collectionneurs. Probablement, déjà, parce que faut le dire, c'est un bon jeu, hein, ce Ninja Warriors, mais quand même, moi j'ai déjà. Enfin, c'est un jeu qu'on voit régulièrement dans les. Je ne sors rien, moi, dans les boutiques, on les voit 600, 650, 700, 800, 900 euros, vous voyez. Des prix comme ça, des prix de fou furieux. C'est pas que je veuille absolument acheter ces jeux-là en physique, mais quand on atteint des prix comme ça, faut se poser des questions, quoi. Et ça, j'en ai déjà parlé. Donc, ce jeu, il se vend atrocement cher. Est-ce que c'est justifié? Bah, pour moi, c'est jamais justifié de vendre des jeux aussi chers. Par contre, le jeu est clairement très bon. Au niveau du gameplay, on a trois personnages avec des gameplays différents. Ça, c'est vachement bien. Et encore, là, vous voyez qu'une petite partie parce que je ne maîtrise pas du tout les personnages. Je me contente de lire les coups que j'ai notés dans mes notes. J'essaye de me démerder, mais j'y arrive pas. Hop, hop, tac. Et donc voilà, donc on a un gameplay qui est très différent en fonction des trois personnages qu'on joue. C'est vraiment pas purement cosmétique. On a vraiment des différences flagrantes, notamment le fait que lui il est pas de chop mais qu'il soit plus rapide, etc. C'est quand même prépondérant pour la qualité du gameplay. Et ça se ressent vraiment au niveau du jeu. Donc ça c'est bien. Après ça reste quand même très linéaire hein, comme jeu. C'est un beat'em all, il y a un petit peu de swap color. Ouais, il n'y a pas énormément d'ennemis quand même. Le bestiaire est varié dans le sens où, vous voyez, il y a des mini Wolverine, il y a des soldats, il y a des gros balèzes, des mecs un petit peu plus Japon médiéval, vous voyez, des samouraïs avec des tronçonneuses. Bon, c'est assez varié. Mais après, le jeu en lui-même, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas trop de bonus, je veux dire, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de secret. Bon, c'est en plus que ça. Le jeu, je vous l'ai dit. Un de ses défauts, c'est qu'il est assez court. Et le gros défaut pour moi, c'est l'absence de mode de joueur. Parce que ça aurait été vraiment l'éclate à deux. Surtout s'il y avait eu une interaction possible entre les deux personnages. Mais bon, on peut pas tout avoir. Mais sinon, c'est un très bon jeu que je vous recommande, qui fait vraiment honneur aux capacités techniques de la console, tant au niveau graphique que sonore, et qui se joue super bien et qui est vraiment très plaisant. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce test de The Ninja Warriors sur Super Nintendo. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut!